Yo les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement. Donc là on se retrouve pour l'épisode numéro 4. Donc là, vous avez vu dans l'épisode numéro 3, j'ai pas mal charbonné quand même pour pouvoir faire mes étoiles. Donc 6 sur 6, 3 sur 3, 3 sur 3, 2 sur 3. Celle-ci elle est difficile, j'essaye de débloquer une autre voiture pour essayer de la faire. Mais vous allez voir que je vais y arriver. Donc là on est parti pour l'épisode numéro 4. Donc là, finir le tour en moins de 1 minute 46. Donc ça, on va essayer, hein. C'est pas... Donc, ok, j'ai pas de voiture, j'ai qu'une voiture, d'accord. Bon, on va prendre celle-là. Cette couleur-là m'a l'air parfaite. Alors, donc finir le tour, tour. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive en 1.46, que je débloque les trois en même temps, ça serait magnifique. Par contre, ouais... Ça serait bien. Hein. Après, même si j'en débloque deux, c'est déjà parfait. Puisque quoi qu'il arrive, quand on débloquera d'autres voitures, je pourrai parfaitement débloquer toutes les étoiles après, je pense. Hein, parce que en ayant des voitures plus puissantes dans Draft Club, je pense qu'on peut se permettre de faire ça tranquillement. Donc celle-là, elle a l'air de tenir la route, la Volkswagen là. Vous avez vu comment je parle trop vite? À chaque fois, je veux parler trop vite et à chaque fois, je me fais prendre au piège. Donc là, il faut que je absolument que je trace pour pouvoir me permettre de faire le truc. Ah, et d'accord, il y a gros tournant. Je suis bientôt. Je fais la moitié du temps. Pénalité, encore une pénalité. Oui, je sais, pénalité. Mais ne me fais pas freiner trop parce que j'aime pas les pénalités. C'est parti. Donc chaque jour j'essaierai de vous faire découvrir un nouveau véhicule. J'essaierai de vous faire découvrir ça. Après voir comment que ça donne au niveau des nouveaux véhicules que je vais acquérir. Je veux pas non plus vous faire des vidéos de 2 minutes. Ça sert strictement à rien de vous faire des vidéos de 2 minutes. 5 minutes, voilà. Je pense que ça va pas trop vous saouler parce que c'est vrai que regarder un mec 20 minutes à faire que de la course, voilà, je trouve ça vraiment. Bah, inutile de regarder une personne faire des cours pendant 20 minutes quoi. Allez, trace. Est-ce que je vais faire? Non, je vais pas le faire. Je vais peut-être pas faire celle d'une 46, mais une 50, je pense que je peux le faire. Au moins deux. J'ai dit au moins deux étoiles. Non, je m'aime pas. Bon, bah, j'aurai qu'une étoile. Donc, j'ai plusieurs tours. Donc, il faudra que j'arrive à battre ma petite voiture qui est devant là. Ah, trace, hein! C'est à moi de battre mon score. Ah, mais elle glisse. Franchement, je disais qu'elle glissait pas, mais elle glisse, hein. Franchement, elle glisse. Elle glisse quand même pas mal. J'entends les hut. Oh là là. Faudrait que j'arrive à y mettre un petit carrefour à elle. Pour l'instant, j'ai l'air de bien m'en tirer. À chaque fois que je parle, je m'en tire. Enfin, je m'en tire. Et voilà. Ben voilà. Voilà les conneries à Nico. Chaque fois que je parle, bah, je loupe mon truc. Oh là là, j'y crois pas. Donc là, il faudrait que je la rattrape pour essayer d'au moins d'arriver à 1.50. Parce que j'étais pas loin de tout à l'heure. Reste derrière, et il faudrait que je te voie derrière le point. Alors une 46 ça va être chaud parce que j'ai pas la voiture qu'il faut. Et voilà, j'ai battu un 50. Donc on va essayer de leur battre, hein. On va essayer de voir ce que ça donne. Mais une 46 ça va être chaud avec cette voiture là, donc je vais tenter le troisième tour et je pense que si j'y arrive pas il faudra que j'ai une autre voiture.
D'accord, tout seul. Alors. Allez, avance. Ah, j'ai pris trop de retard sur la voiture de devant. Là, je pense que ça peut... Je pense que ça peut être faisable, je sais pas. Franchement, je sais pas, parce que c'est vrai que je me suis mangé deux fois. Je pense que si je fais une course vraiment simple, et que je me ramasse pas du tout, je pense que c'est faisable. Mais là, ça va pas être faisable du tout, parce que une bientôt 30... Ah, c'est pas faisable. 10 secondes, tu peux pas, c'est impossible. Ah, dommage, franchement dommage. Bon, on va essayer de leur battre, hein. On va tout faire pour le battre, hein. Mais là, il faut pas que je me ramasse une seule fois. C'est faisable, franchement c'est faisable. Alors on va essayer ça, hein. Ah mais là, regarde, voilà. Ça va, j'ai pas perdu trop de vitesse. Tant que le point noir reste bien derrière, je peux peut-être faire quelque chose. Mais s'il reste pas derrière, s'il me rattrape, je pense que ça va être chaud pour pouvoir faire... Encore un point de pénalité, c'est pas grave. Le principal, c'est que je trace, que je puisse réussir la course. Ah, c'est pas bon ça, c'est pas bon du tout, Nico, ce que tu nous as fait là. Il est où le point? Il est juste là, juste à côté de moi, je pense. Que j'arrive à atteindre. Ça va être juste, regardez. La voiture devant est juste devant. Ça va être encore trop juste, j'y crois pas. Ah là, c'est trop juste. Bon, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, cet épisode 4. Va se terminer là, puisque il faut à tout prix que je trouve une autre voiture assez, même à 10 km en plus pour pouvoir la faire, je pense, parce que c'est vrai que là c'est un peu chaud pour pouvoir la faire. Mais bon, voilà, j'espère que l'épisode numéro 4 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire, et je vous dis bye bye les gens, et à bientôt.